Yeah. Salut les amis. Donc je vois aujourd'hui c'est vraiment l'une des vidéos les plus bon. Il s'est passé, on dit les plus fous bien les plus folles, comme ce qui est dit. Je suis pas allé très loin pour mon beurre. L'une des vidéos les plus folles. Ok. Donc aujourd'hui c'est l'une des vidéos vraiment que je voulais partager avec vous. Mais ce qui me rassure, je ne suis pas aussi fou hein, que ça. Parce que nous sommes tous fous. Et puis bizarrement, nous sommes dans un monde aussi qui est vraiment fou. Hein. Un monde vraiment très 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 fou. Et ça vraiment c'est très rassurant. Où les gens font du n'importe quoi. Les gens se permettent de dire du n'importe quoi. Ouais, et puis ça c'est la tendance du monde. Bon, il faut qu'on avance comme ça. C'est ça le monde. Donc, bon, de passage, je voulais saluer un peu les petits Paul, ceux qui essaient à chaque fois de dire non, il faut se rendre pêcheur pour gagner les pêcheurs. J'espère que ça va bien. Donc, vous êtes un peu partout dans le monde, là, vous qui vous mettez pêcheur pour gagner les pêcheurs. Là. Donc, les pasteurs aussi qui êtes dedans, là, prêtez-vous parce qu'on doit aller en Jamaïque. J'espère que vous devez vous rendre aussi drogué pour gagner beaucoup de drogués là-bas. On va aller un peu partout, même il y a d'autres aussi, vous devez être vraiment des voleurs pour gagner aussi des voleurs. Bien que parmi beaucoup parmi vous ont déjà commencé ça. Mais je veux dire que c'est vraiment triste de voir de nos jours ce qui se passe. Surtout au niveau de l'évangile. Quand il y a une nouvelle tendance qui vient dans le monde, vous êtes pressé à dire « Ah oui, d'accord, ça c'est une tendance, c'est une tendance. Vraiment, c'est quelque chose de nouveau, c'est à la mode. » Mais quand il s'agit de ce qui est de l'évangile, ça on dit « Mon frère, tu penses que non, c'est toi que tu vas à l'église ou bien ?» Nous aussi, on va à l'église. Tu vois, mais je rappelle, il y a une tendance qui était sortie, qui vient d'arriver sur les affaires d'Avatar. Je ne crois pas que non, bon, si tu fais Avatar, tu vas aller en enfer. C'est pas ça le problème. L'essai fait de dessiner Avatar ou bien de changer profil, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas aller en enfer à cause de ça. Mais en fait, c'est juste quand quelque chose vient, la mode. Quelque chose vient à la mode, une tendance nouvelle vient. On ne sait pas où c'est quitté. Et tu vois, tout le monde est sur un pied. Tu vas voir aussi, les chrétiens aussi vont se mettre sur un pied aussi. Chose triste, vont se mettre sur un pied. Quand tu vas voir le monde va à gauche, tous les chrétiens, tout le monde va se mettre aussi. Oh, allons-y à gauche, parce que non, c'est la nouvelle tendance, c'est la mode. La mode, j'ai bien dit la mode. On ne sait même pas qui a tiré cette tendance, qui a créé ça. Et vous mettez, vous dites, ah, je suis à la mode, je suis à la mode. Bon, si tu ne fais pas ça, on détasse même du gaou. Et là, vous avez peur d'être des gaous et des gaouases. Vous suivez la tendance. C'est pas mal de suivre la tendance, mais si vous suivez la tendance, sachez que s'il y a un prix aussi à payer pour cette tendance, vous allez aussi payer ce prix. Ça vous fait quoi d'être au moins un peu indifférent face au monde? C'est pas parce que tout le monde doit aller à gauche que vous aussi devez aller à gauche. Un chrétien, enfant de Dieu. Quand vous suivez la tendance, faites vraiment attention. Ben vous pouvez vous trouver dans des problèmes et ça sera vraiment difficile pour vous de vous en sortir. Donc, je pense que Romains, dans la Bible, Romains 12, 2 a été vraiment clair concernant la tendance. Donc, essayez vraiment de voir ça dans le livre de Romains. Essayez de faire votre effort, d'éviter tout ce qui est tendance. C'est vrai, on ne peut pas s'en passer quand quelque chose de nouveau vient. Ouh, moi aussi, il va être à la mode. Il va être dans tout. Mais tu oublies l'essentiel. C'est ça qui n'est pas bon. Hein? Eux-mêmes, il y a d'autres qui se permettent. Quand il y a vos frères qui commencent à vous parler, vous trouvez non que, oh, et ils sont trouvés, ils sont trop spirituels. Non, ce n'est pas une affaire, ils sont trop spirituels. C'est parce qu'ils ont vu avant vous, ils ont dit, non, ah bon, attends, ils vont essayer de... Pourquoi tout d'un coup, le monde doit se lever pour marcher à gauche et puis nous tous aussi, on doit marcher à gauche. Donc c'est parce qu'ils ont vu ça, ils ont dit non que bon, ils vont essayer d'attirer votre attention. C'est pas parce que non, ils sont trop spirituels. Et si vous aussi vous dites, ah vous aussi vous êtes chrétien, non c'est pour ça que vous faites, ça n'a rien à voir avec le salut. Non, ça n'a rien à voir avec ton salut.
Donc continue de suivre la tendance. Continuez de suivre la tendance. Je pense que c'est comme ça. On a trop dit aux gens, non, arrêtez de voler, arrêtez de mentir, arrêtez de pécher, arrêtez de faire ce que... Non, normalement, on doit vous encourager. Hein. Continuez dedans. Vous allez voir comment la suite va venir. Donc, ciao, c'était... Vous savez déjà. Ok, je vous souhaite vraiment une bonne journée. Au revoir.